ben finalement on se retrouve pour un vlog, c'était pas prévu. Mais du coup je suis allée ce matin à l'hôpital avec le chéri. Là il est midi 45 et il a terminé tous ses rendez-vous. Il a vu docteur, diététicienne, je sais pas trop, plein de médecins. Il a rendez-vous avec un gastrologue, un endocrinologue aussi, mais ce sera plus tard. Et voilà, évidemment il continue le suivi, les prises de soins et tout ça. Donc voilà, une bonne chose de faite. J'ai amené Aaron du coup ce matin à garder à ma maman. Du coup là on va rentrer manger. Et puis on va aller, moi après je vais aller récupérer Aaron et je vais passer à un magasin où il y a des trucs date courte, beaucoup moins cher. Et puis voilà, on verra bien ce que la journée nous réserve. Re-coucou les amis, on se retrouve dans la voiture de ma maman. Je suis passée chercher Aaron et du coup on est allé toutes les deux au magasin où il y a des trucs moins chers, des dates un peu limites. Du coup j'ai pris quelques petits trucs, je vous montrerai à la maison. Franchement c'est intéressant, enfin surtout si vous avez un congélateur pour congeler, du coup vous avez la place dans votre congélateur. Ça peut être vraiment pas mal. Et donc là on allait faire vite fait un autre qui est juste à côté. Mais il faut qu'on se dépêche parce qu'il est déjà 3h et moi à 4h je dois être à la maison parce qu'il y a quelqu'un qui doit passer voir le lit de bébé d'Aaron que j'ai. Enfin, normalement je dois lui vendre à cette personne. Donc j'espère qu'elle viendra et j'espère que je serai à l'heure. Voilà. Comme d'habitude, c'est la course. Franchement, aujourd'hui, je suis fatiguée. En fait, j'ai le retour des derniers jours en fait, de fatigue accumulée. De m'être couchée tard, levée tôt, d'avoir enchaîné des journées pas possibles. Du coup, voilà, là, j'ai un peu le retour de bâton. Donc, je suis un peu fatiguée, mais bon, ça va. Bon, ça va vite aller mieux. Je pense que si cet après-midi, déjà, j'arrive à faire une sieste quand Aaron fait une sieste, ça serait bien. Mais je suis pas sûre parce que là, en fait, il s'est endormi. Déjà. Mais en tout cas, ce soir, je vais essayer de me coucher tôt. Même si j'ai envie de vous monter le vlog de l'anniversaire. Et même moi, j'ai hâte de voir les vidéos de l'anniversaire. Et de vous faire ça un peu joli avec de la musique sympa. Du coup, je sais que ça va me prendre du temps. Donc voilà, je vais essayer de le faire cet après-midi. Parce que sinon, ce soir, ça traîne. Je me couche tard. C'est pas bon. Voilà. Donc écoutez, on se retrouve à la maison pour que je vous montre un petit peu les achats que j'ai fait. Donc voilà ce qu'il y en a des petites courses au magasin, comme je vous disais, avec les dates courtes. Alors s'il y en a qui sont de ma région et qui voudraient le nom et l'adresse, vous me le dites en commentaire et je vous le noterai. Je regarde un petit peu sur internet. Si jamais vous n'êtes pas de ma ville, sachez. Il y en a souvent en fait dans les villes, il faut que vous regardiez un petit peu sur internet en mettant épicerie solidaire ou des trucs comme ça. C'est voilà, un supermarché avec des dates courtes et vous devez trouver. Donc voilà, je vous montre là pour l'ensemble des courses, j'en ai pour moins de 20€. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Et encore, enfin, on va commencer par là parce qu'il y a trois articles que je suis passée vite fait à Carrefour parce que j'en avais besoin. Donc j'avais besoin de crème fraîche, de beurre et de muesli. Enfin, besoin. J'en avais envie pour mon déjeuner plutôt. Du coup, rien que ça, j'en ai eu pour 5€. Voilà, pour 6€ même. Et après, donc tout ça, j'en ai eu pour 15€. Alors en congelé je vous montre, donc d'abord il y a une première boutique et après il y a l'autre, donc voilà je vous montre en deux fois. Donc dans la première boutique j'ai pris du congelé, donc ce poulet là qui coûtait 2€, ce morceau de viande 1€, deux paquets de boulons de poulet surgelé c'était 1€ les deux me semble. Des paquets de chocobon c'était 1,50€, des palettes de mica c'était 50 centimes. Ça je sais plus, c'est ma maman qui l'a pris mais c'était pas bien cher. Ça devait être 80 centimes peut-être. Et ça aussi c'était 80 centimes, c'est des boulettes au fromage. Ça je pense que c'était 1€, c'est des nuggets de bœuf. Du coup j'en ai pris deux paquets. Ça c'était au premier magasin. Et au deuxième magasin du coup j'ai pris 4 morceaux suisses, 4 dans les douces, je pense que c'était moins d'1€. Des crêpes comme ça, bio pour le coup. Des nuggets, des pains au lait, donc vous voyez il y a le prix marqué dessus. Ça c'était 1,80€, 1,20€, 1€. Et du coup voilà. Donc voilà, comme je vous le dis, j'en ai eu pour au supermarché, donc date limite, j'en ai eu pour 15€ et j'ai eu pour 5€, 6€, 3 trucs à Carrefour. Mais bon voilà, ça me fait des bonnes petites courses d'appoint, j'aurais pas besoin de faire les courses cette semaine, donc c'est plutôt cool. Voilà, bon, je vais ranger tout ça et je vous reprends plus tard parce que j'attends, comme je vous le dis, la dame pour le lit. C'est à qui tout ça? C'est à toi? Oh, wow. Oh là là. Oh, on vient de faire la photo avec Aaron. Waouh. Bon, son préféré c'est le truc de Maui là, je sais pas comment ça s'appelle. Allez viens, on va te donner un chocolat. Il a tenu, il a fait la photo. Il m'a fait une photo avec un beau sourire. Il a droit à son petit chocolat. Et maman va ranger. Je vais ranger tout ça. Et puis on vous montrera de plus près dans la vidéo pour ses crèmes. Non, du coup, vous l'aurez eu avant. Voilà, vous avez déjà vu. De toute façon, je vous ai fait une vidéo où je vous montre en détail tous ces cadeaux. Vraiment, vraiment. Papa. Oh, c'était nickel. Papa. Papa. Oui.
Regarde. Regarde, papa, regarde. Regarde. Oh. Là, les chocolats. Tiens, t'as tout jeté d'un coup. Hein? Ouvre-le quand même. Allez, ouvre-le. Ah, t'arrives pas? Non. Tiens, le chocolat. Moi, c'est bon. Doucement, doucement. Non, 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 c'est bon. Ouais, ça, c'est bon. Non, non, y a pas. Il va pas te lâcher là. Mais t'as bien dans la bouche, compère. Non. Mange le chocolat, déjà. T'es bon? Ça bug, non, là? C'est bon? Voilà, dans ma chambre. Donc, comme vous l'aurez compris, je vais te faire la photo à Aaron de tous ces cadeaux. Cette photo, c'est une tradition. À tous les anniversaires, à tous les Noël, je la fais pour chacun des enfants. Parce que moi, ça me fait des souvenirs. Et puis aussi, plus tard, ils verront un petit peu tout ce qu'ils ont eu comme cadeau. Et moi, j'aurais bien aimé. Je sais que ma mère m'a gâté beaucoup. Et j'ai pas trop. Enfin, j'ai quelques photos, mais j'ai pas des photos de tous les cadeaux que j'ai eu. Et ouais, ça m'aurait fait plaisir de revoir des jouets d'avant. Maman, maman. Ça n'a un autre? D'accord, je vais te l'ouvrir. Donc voilà, je vais m'occuper de Aaron, je vais monter le vlog d'anniversaire, puis je vous reprends plus tard. Puis j'ai plus de batterie, donc je vais mettre à charger. Ouais, coucou tout le monde, on se retrouve deux jours après. En fait, je suis en train de vous monter le vlog que vous venez de voir. C'est Aaron qui fait du bruit avec la chaise. Et du coup, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas clôturé le vlog et surtout, je vous avais pas raconté un petit truc de la journée. Donc, je prends un moment pour le faire. Donc, je vous ai dit que la dame devait venir pour acheter le lit du bébé, enfin, le lit de bébé de Aaron. Et du coup, elle est venue, elle l'a pris et tout nickel. Sauf que Aaron était là et il a été très triste. Il a fait une bouille, il était dégoûté de voir son lit partir. Ça m'a fait mal au cœur, il presque il pleurait et tout. Bon, ça a pas duré longtemps, ça a duré une dizaine de minutes, quoi, mais ça faisait trop mal au cœur, quoi. Et que vraiment, Aaron, regarde-moi, il est là. Tu fais quoi? Goûter. Eh ouais, c'est l'ordinateur de maman. Ben oui. Donc, voilà. Et quoi si bébé là? Et quoi si bébé là? Ça va? Ça va? Tu dis au revoir? Il a dit au revoir aujourd'hui. Tu dis au revoir? Dis-le. Au revoir. Au revoir. Oh. Oh. Dis au revoir. Oh, t'es triste. T'es triste. T'es bouchant, t'es triste. Tu dis au revoir. Il a dit ce matin au revoir à Kayla dans la voiture. Non. Non. Oh, moi j'aimerais bien que tu dises au revoir. Comme ça, je l'aurai en souvenir sur la vidéo. Au revoir tout le monde. Bon, de toute façon, je clôture ce vlog parce que je suis en train de vous vlogger aussi cette journée. Donc si j'arrive à vous le filmer quand il le dit, vous le verrez dans le prochain vlog. Allez, ciao. Non. Ciao. Non. Au revoir.